N'est-ce pas magnifique cette décoration, n'est-ce pas? C'est magnifique. Je crois que c'est un peu trop léger, un petit peu. Je crois que ça va être mieux là, comme ça. Ah, impeccable. Bon, ça sera au-dessus des magazines, malheureusement. C'est vraiment big une collection que je viens de. Là, je viens de sortir tout ce que j'ai en PlayStation. Donc la PS5, là, c'est un peu caché aussi. Je peux pas montrer. Coucou, je suis trop loin. Bon, j'ai pas mis une petite chemise. Un carreau rouge, noir, voilà. Pour présenter, ça présente un petit peu bien Café Gaming, comme je vous l'ai dit. Et bien, salut tout le monde, c'est Flo de la chaîne Café Gaming. J'espère que vous allez très bien. Voilà, vous voyez direct. Je me suis acheté cette PlayStation classique, je ne pouvais pas. Au départ, je voulais même pas la prendre, mais en fait, là, c'est officiel, je l'ai pris. Non. Pas parce que voilà, il y a des jeux qui sont un peu bien, mais le côté négatif c'est l'anglais, bien sûr, je comprends. Mais de deux, le deuxième truc qui me donne totalement envie, c'est que la console, on peut la craquer. Je pourrais même vous faire une différence entre la PlayStation classique et la PS3, comme la PS3 je l'ai hackée. Donc je vais mettre des jeux PlayStation 1 et essayer de voir si des jeux jap dans ma liste. Qu'il y a certains jeux japonais ne passent pas vraiment sur PS3 parce qu'il y a des défauts sur la console. Des fois il y a des bugs, style dans Rapid Reload, il y a des ralentissements sur PS3. Peut-être sur cette PlayStation Classic Mini, PlayStation Classic, pardon, on peut mettre Gunner's Even que j'ai en CD. Par exemple, je vous montrais Jumping Flash, il est dedans. Voilà, par exemple, un jeu qui était blanc, c'est Jumping Flash. Je vous aurais mis par exemple, attendez, je vais vous montrer la liste. Ah bah peut-être celui-ci. Ah là. Voilà. Gunner's Even que j'ai en CD, l'extraire sur PlayStation Classic avec le disque dur. USB, pardon. Et peut-être vous mettre d'autres jeux, Jag ou autres. Même des jeux PAL, par exemple, je l'ai sous les mains. Bah déjà Gran Turismo. Voilà, je l'ai là. Magnifique. CTR, par exemple. Voilà, le CTR que j'aimerais bien le mettre dedans, pourquoi pas. D'autres jeux qui ne sont pas sur cette petite console de chez Sony. Voilà. À vous faire découvrir. Donc pendant cela, je vais vous faire l'unboxing de cette console. On se trouve là-bas au bureau pour vous faire l'unboxing. Allez, c'est parti! Allez, donc c'est parti, donc unboxing de la console, donc j'ai déjà ouvert la petite languette. Donc voilà la console, bien sûr, hop, la face, ça me fait penser demain, c'est. Vous avez tellement de petits souvenirs parce que je me rappelle, j'avais cette modèle-là, donc la Mi 2 qui était pas, avec les trois prises RCA derrière, et franchement c'était vraiment tel souvenir. La carton, je l'avais pas très connue parce que j'étais petit, et mon père, je crois qu'il l'avait débarrassé à la poubelle. Ah, mon Dieu, putain! Putain! Mais bon, je crois que ce carton me donne déjà vraiment des souvenirs de gosse. Quand j'étais petit, dans les débuts 90, hein, bien sûr, voilà. Bon, enfin 90 plutôt dire. 96, moi je suis né. Donc, 1080, ouais, on va dire 1090. Voilà. Que dire de plus, voilà quoi. Déjà avec des jeux sur le côté. Ah, par contre, ils ont pas précisé le code. Ah bah si, ils l'ont mis! Le code de Metal Gear Solid, je vais vous montrer après. Oui, parce qu'il y a Metal Gear Solid sur cette console, mais comme vous voyez, il n'y a pas les DualShock. Donc c'est la première édition, celle du modèle de 95, avec Upper Engine un peu voilà, jaune, comme vous connaissez peut-être la nostalgie comme moi. Ah, donc, hop, les manettes, la scène de Popper, plus l'HDMI, voilà, et le dessus. Donc le code c'est SCPH 1000R. Donc je me demande si R ça veut dire peut-être redesigner ou peut-être reconditionner, je ne sais pas. Il faut peut-être que je me renseigne sur internet. Donc voilà, donc les jeux en arrière, voilà, je vais vous montrer vite fait. Il y a du Final Fantasy, il y a GTA, il y a Destruction Derby, Cool Border 2, l'un de mes jeux snowboard préférés. Oh là 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 là, dédicace à Yenoul, Battle Arena Toshinden. Nous avons du Puzzle Fighter, Rayman, Tekken 3, Twisted Metal, Metal Gear Solid, dont le petit... voilà.
une petite anecdote que vous devrez chercher. Que vous devrez chercher pour Metal Gear Solid pour appeler Meryl hein, derrière la jaquette du jeu. Donc voilà, on va essayer d'ouvrir délicatement la bébête, la petite bébête. Voilà. Alors, hop, il y a une deuxième boîte, je crois. J'avais connu, c'était le temps avec les polysirènes. Je vais pas essayer d'arracher la boîte parce que. Voilà, ça fait penser les boîtes comme sur PS Vita ou sur PS4. Maintenant, je comprends pourquoi ils font des doubles boîtes. Hop. Hop. Là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Notice. Voilà, Notice Nostalgie, franchement. De la nostalgie, c'est Notice. Voilà, qui dit un peu plus. Je vais le mettre par là parce que. Pardonne-moi mon iPhone, mais je vais devoir te faire bouger un petit peu. Oh. Ah. Oui, il n'y a rien dedans maintenant. Hop. Là, nous avons la console. Hop. Je vais la faire sortir en même temps. Waouh. Wow. Quand je la touche, je suis vraiment. Waouh! Wow. Vraiment, quand je la déballerai, j'ai hâte. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça. Ouais, à mon avis, c'est comme ça. Côté les cartons. Alors, qu'est-ce que nous avons? Là, c'est l'alimentation secteur qui est du mini B, du mini C, je crois. Ouais, c'est pas du B, c'est du C. Ouais, c'est le type, ouais, même pas un type C, je crois. C'est les mini USB, donc c'est pas du B, je crois. Un câble HDMI, pas besoin, mais bon, je crois que oui, j'en aurais besoin. Je crois que je vais peut-être pas le mettre. Le contrôleur. Et la deuxième, deux contrôleurs. Je crois que je vais en garder une de côté. Et je vais sortir une ici. Rien que pour vous, je vais montrer ma Sony. Donc j'ai du mal pour jouer à des jeux de baston. Parce que c'est des manettes. Ah si, si. Si, si. Je teste en même temps. Voilà la manette, elle est digitale. Je vais peut-être m'en sortir une d'origine. Hein, une d'origine, celle qui est, je pense. Voilà, celle-là n'est pas jolie parce que celle qui est jolie, c'est mon pote JK. Mon pote Tonton Gaming. Qui a, voilà, ça c'est une de mes origines. La taille est parfaitement la même. Regarde de mon côté, c'est con, j'aurais bien aimé avoir une deuxième caméra. Voilà, et la prise, voilà, prise USB avec la forme du prise du branchement de la console. Mais c'est que nous, c'était comme ça dans le temps. Voilà, avec ces branchements, voilà. Un peu de nostalgie, ça nous fait souffler un petit peu. Là, franchement, ça fait souffler un petit peu. Alors, la console, hop. Tac. Oui. La colonne, la reset et pour la marche. Là, je vais voir si. J'étais curieux. Alors, le parallèle. Pour ce parallèle là. Ceci. J'étais curieux. Je me dis, est-ce que ça va s'ouvrir, etc. J'essaie. Non, c'est juste de la déco. Ouais. Parce que genre, je me croyais que peut-être la parallèle, il y aurait peut-être un USB derrière. Non.
Ouais, franchement, piote, 50%, c'est sympa. Et après, hop, attends, on va essayer de voir. Je vais essayer d'enlever le petit truc. Alors, le câble, voilà. Même pas vraiment une distance raisonnable pour aller jusqu'au bout. Pour moi, je trouve ça un peu abusif. Moi, je jouerai plus au boulot parce que voilà. Et donc, quand j'aurai une petite. Quand j'aurai du monde à la baraque, tout ça, je vais devoir acheter une grosse. Je vais devoir mettre ma grosse rallonge. Une grosse rallonge. Voilà. Oh putain, magnifique. Magnifique. Voilà. Magnifique. Bon, bah, je crois qu'on va essayer d'allumer la console. On va essayer d'allumer. Je ne suis pas sûr que je pourrais avoir capturé le moment où l'opening de la console. Ou à moins que je voudrais le reset spécialement pour vous. Je vais la petite la reset pour vous, justement pour vous. Je vais essayer de capturer avec la Famiga. Je vous dis à tout de suite, les amis. Alors. Donc, nous voilà les amis, donc on est sur l'opening, dans le menu de la console. Donc là, je suis en voix off, donc je regarde en même temps l'enregistrement que j'ai fait. Donc là, il y a pas mal au moins de bons jeux, voilà, vous avez point de reprise, carte mémoire, et vous avez le guide, voilà, carte mémoire, voilà, je vous montre. Guide, bon, franchement, pas très utilisant, voilà, c'est vraiment pas terrible. Un truc vraiment pas très très terrible et je vois qu'on a pas mal d'autres de trucs dont point de reprise, franchement un truc génial qu'on peut trouver sur les petites deux consoles comme la Super NES Mini, la juste la SNES Mini si j'ai pas de conneries, que vous pouvez utiliser cette machine et franchement c'est un truc génial. Donc là on se tombe sur Toshinden Battle Arena, Toshinden. Un jeu magnifique, l'un des premiers jeux de baston sur PS1, qui est le deuxième jeu sorti sur console. Il était au pas maintenant, il était ouais, c'était vraiment le versus entre Toshinden versus Tekken, bien sûr, le premier Tekken du nom. Et franchement, ça a pas mal vie ce jeu aussi, voilà, ça a pas mal vie. Le meilleur des Toshinden restera le 2 pour moi. Franchement au niveau technique c'est un peu de la merde, c'est un peu difficile je l'avoue. Voilà hop, un petit coup machin etc. Mais bon c'est juste pour juste expliquer directement. Alors cette console est sous open comment on appelle ça les sur c'est une machine en fait sous régulation mais fait par PCSX, donc un émulateur OpenGL PC bien sûr, voilà ce que je vais dire. C'est vraiment un OPL PC quoi, mais que du PCXX, donc c'est un émulateur totalement voilà. Mais on voit que la BIOS de la console, ça fait penser le BIOS des dev kits, même qui vient aussi du comment dire BIOS de la PSP on va dire. Et donc là on se fait tourner un jeu BGM interactif qui est entre autres le premier jeu qui est en français multilingue on peut le dire, c'est GTA le tout premier Grand Theft Auto, voilà. Mais franchement la plupart des jeux ont vieilli ou pas vieilli, mais ça reste franchement une belle, pour moi c'est une belle nostalgie quoi. C'est vraiment du nostalgie quoi. Donc voilà, donc sur ce les amis, moi je vais vous laisser. Je vais vous laisser toutes ces petits sons, ce moment souvenir de jeu avec les petites sonores, etc. Donc voilà, sur ce c'était moi, c'était Flo. Je vais vous laisser une petite nostalgie en quelques minutes. Allez, c'est parti. Je vous laisse la liberté de ce petit de cette magnifique son sonore de jeu magnifique. Sur PlayStation, voilà, mais magnifique jeu PlayStation que j'ai choisi pour cette vidéo. Voilà, allez, sur ce, les amis, je vous laisse.
Theft Auto. Web systems. Ladies and gentlemen, may I have your attention? And I'm waiting for. Ready? Go! Get in! Don't force it! Feel it! It's time to trip! Oh, I wanna lose it! To the Real Racing Roots. Real Racing Roots 99 in Helter Skelter. 3, 2, 1, go! Here we go! We'll be right back.
Thank you.